Psaume chapitre 8, nous lisons la parole du Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'un homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Que tu puisses réellement prendre le contrôle, Père, de
et dominer chaque âme, et dominer chaque âme au Seigneur, et dominer dans chaque pensée au bien-aimé frère qui sort, que tout soit soumis au notre Dieu. C'est vrai, comme les amis d'un Dieu encore au bien-aimé frère qui sort, qu'est-ce que c'est que l'homme au notre Dieu, pour que toi tu prennes garde à lui. Merci encore, mon bien-aimé Seigneur, parce que d'avoir trouvé grâce devant tes yeux à toi, toi le Dieu très haut, Dieu de ton trône de grâce, mon bien-aimé frère qui sort, peut-être la faveur conçue chacun de nous, Père Saint, afin que nous puissions établir ton Saint-Nom, mon Seigneur, et de marcher réellement aussi pour toi, mon bien-aimé Seigneur. Oh, sois donc adoré encore, mon bien-aimé béni, pour ton grand puissance et d'être réellement relevé, Seigneur. Quand on est dans les bas-fonds, mon bien-aimé Père Tristan, pour la ramasser, Seigneur, et de venir faire ce soir. Merci pour mon frère, merci aussi pour ma soeur. Merci encore pour chacun d'entre vous ce soir qui t'a prié, Père. C'est le jour de ta présence à vous ce soir, mon bien-aimé Père Tristan. Pour chaque entrée qui a été chantée, mon bien-aimé Père Tristan. Pour chaque prière qui est montée devant toi, mon bien-aimé Père Saint. Pour chaque cœur qui est allé, qui a été reconnaissant à toi pour ce soir, mon bien-aimé Père. Ils sont aussi bénis, Père Saint. Nous pensons à tous nos frères et soeurs pour répartir les mots, Père Tristan. Dans chaque entrée, mon bien-aimé Seigneur. Ils sont réellement aussi bénis par toi, mon bien-aimé Père. Je te remercie encore, mon Seigneur. Ce que nous avons des frères et soeurs, nous l'a donné, mon bien-aimé Père, mon Dieu. Afin de marcher avec toi, mon bien-aimé Père Saint. Merci encore pour ce temps de nous faire nous donner, car nous avons aussi prié au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous remercions de tout notre cœur. Vous pouvez vous asseoir. Nous ne cesserons jamais de lui être reconnaissants. Sa bonté à notre endroit, il est vraiment bon, notre Dieu. Il est miséricordieux, comme l'Écriture le dit, car sa miséricorde dure à toujours. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ce soir, avant le jour de la veillée qui est donc demain, parce que nous voulons vraiment entrer dans cette nouvelle année avec le Seigneur. Nous le remercions vraiment de sa conduite et de sa manière de pouvoir faire, puisque nous avons aussi des témoignages qui viennent différents endroits aussi, démontrant que le Seigneur, notre Dieu, est vraiment aussi à l'œuvre et qu'il éclaire et soutient encore beaucoup de ceux qui étaient encore dans les ténèbres et qu'il réellement commence à pouvoir sortir et qu'ils puissent voir aussi la main du Seigneur dans leur vie. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir nous tenir aussi, trouver grâce à ce que nous tenons dans sa présence et qu'il nous aide parce que de nous-mêmes ne pouvons pas. Et si lui nous accorde cette grâce, nous pouvons réellement nous tenir dans sa présence. Et dans sa présence, nous ne pouvons que recevoir effectivement sa grande miséricorde et aussi son secours et son soutien. Et comme ça, vous vous souvenez quand même de cet homme ici, serviteur de Dieu, du nom d'Aaron. Et quand il y a eu effectivement, dans le milieu où il se trouvait effectivement, les oppositions, les gens qui s'est levé et qui disait que ben, nous aussi, nous sommes ça, nous sommes aussi ici, ainsi vite. Et tout à l'heure, ben, on a demandé à ce qu'ils puissent amener chacun, donc ce bâton qu'ils avaient, qu'on appelle la verge marron, et qu'ils devaient venir avec, et on le mène effectivement dans la présence du Seigneur, on le met effectivement dans sa présence. Et c'est le Seigneur qui devait réellement lui-même aussi démontrer qui était celui qui lui appartenait. Parce que tous, effectivement, se revendiquaient, il y avait des combats, effectivement, mais nous savions. Comment Dieu a veillé à pouvoir agir à Rome. Mais voilà que c'est le bâton qui était sec. Et puis il y avait les autres aussi, leur bâton était aussi parmi ces bâtons, parmi les bâtons d'Aaron. Et voilà que dans une nuit simplement, dans la présence du Dieu très haut, un bâton qui était vraiment très sec, vraiment très sec. Il n'y avait rien du tout, même pas de l'eau, même pas la terre à côté, très sec, en une nuit. Le bâton a eu à pouvoir fleurir, bourgeonner et puis donner des fleurs. En une nuit, tout s'est passé dans ce bateau pour démontrer la puissance de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, nous servons un Dieu qui est vraiment vivant. Là où il n'y a pas de vie, Dieu est capable de la vie. Il a dit à son prophète, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Parce que c'est le saut que les eaux. Il n'y a absolument rien dans ces eaux. Et puis, ce sont des eaux qui sont là, ils sont secs. Alors, il dit, mais il a produit le Seigneur, tu le sais. Alors, il dit, parle aux gens.
Dis que la chair croisse. Dis que les nerfs croissent. Ça, c'est la puissance de la parole de Dieu dans chacun de nous. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Nous ne sommes pas en train de pouvoir passer notre temps. Il y en a. Nous préparons pour quelque chose de puissant. Amen. Et depuis que nous avons commencé, vous ne l'avez pas remarqué, mais Dieu le fait en vous. Amen. Oui, monsieur. Amen. Oui, mon frère. Amen. Oui, ma soeur. Il y a quelque chose que Dieu, vous l'observez, vous ne le voyez peut-être pas tellement très bien, mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en vous et qui est en train de pouvoir vraiment travailler. Et c'est sûr et certain. Vous réalisez quand même que au-dedans de vous et en vous, il y a quelque chose qui donne une sorte de poussée quelque part. Amen. Dieu est en train d'agir, mon frère. Amen. Dieu est en train de pouvoir manifester ce qu'il a eu à pouvoir déjà annoncer de temps ancien. Remarquez, frères et sœurs, comme nous le disons avec cela, c'était une chose impossible. Et puis quand on regardait, effectivement, on pouvait dire, mais il n'y a absolument rien. Et puis les eaux ont cru. Et puis les nerfs ont cru, effectivement, Amen. Tout ce qui était nécessaire. Amen. L'homme regardait, il disait, mais lui, il était incapable. Mais Dieu lui dit, parle simplement, Amen. Et la chose est. Nous devons reconnaître une chose, frères et sœurs, que Dieu est dans les cieux. Il dit, le ciel est mon trône, la terre son marchepied. Et nous, qui sommes réellement le peuple de Dieu, et qui avons eu cette grâce de pouvoir également reconnaître et le recevoir, certainement, de tout notre cœur, de toute notre âme, et que nous avons aussi à pouvoir faire cette expérience avec lui, la marche avec lui, il y a quelque chose de très important qui s'est passé à nous. Ce que Dieu est dans le ciel et sur la terre, si les hommes veulent voir Dieu, ils ne vont pas monter au ciel. Non. Non, parce que Dieu étant dans le ciel, il est descendu en toi. Amen. Pour que l'homme sur la terre, quand il peut chercher aussi Dieu, il puisse le voir aussi en toi. Amen. Parce que le jour de Pentecôte, Amen. C'est Dieu qui était sous la forme de la colonne de feu et qui marchait au devant de son peuple, effectivement, et qui retournait effectivement dans son lieu. Le jour de Pentecôte, c'est Dieu-là, il s'est départagé. Amen. La même puissance, Amen. La même autorité, Amen. Le même Dieu dans sa divinité Amen. Est venu tabernacler dans les hommes. Amen. Alléluia. De sorte que quand on regardait ma soeur, Amen. On regardait mon frère, Amen. Il avait la même vie, effectivement. Amen. Et quand on prenait les deux, on avait le même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Quand ma soeur prie, quand mon frère prie, leur voix monte du haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Vous vous souvenez? Alléluia. Lorsqu'on les a privés en disant, mais nous ne voulons pas entendre parler de ce Jésus. La haine du nom du Seigneur n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps anciens. On les a même flagellés, vous vous souvenez, non? Dans les actes. Et nous vous interdisons. Et pourtant, ils n'avaient absolument rien fait de mal. Voyez-vous, frères et sœurs, ces hommes ne cherchaient même pas à être connus ou à ce qu'ils fassent quelque chose pour qu'on dise qu'ils sont d'eux. Non! Ils partaient à la prière pour aller prier comme vous venez ici. Amen. Et puis, arrivait effectivement, ils ont trouvé un impotent qui était là. Vous savez, cet homme qui était né boiteux de naissance. Vous savez bien? Et eux, ils allaient à la prière. Vous connaissez, non? Amen. Dans Acte 3, ils étaient dans la prière, effectivement, ils montaient. Et puis, cet homme les a secoués. Il dit, ils ont demandé le monde. Vous vous souvenez, non? Amen. Pendant qu'il montait, effectivement, il est dans le monde. Et c'est Pierre et Jean qui dit, mais les fils, regardent, mais regarde-nous, effectivement. Et l'homme les a regardés, attendant qu'ils puissent recevoir de le monde, etc. Il dit, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé d'un bond, il a commencé à glorifier Dieu dans le temple, partout. Les gens qui étaient dans les temples savaient, connaissaient cet homme-là. Qui depuis sa naissance était là, effectivement, important. Et quand ils l'ont vu, effectivement, oh là là, c'était des cris de reconnaissance. Ils disent, mais Dieu est tellement si grand, un tel miracle, effectivement, Dieu l'a fait. Maintenant, on cherchait pour savoir qui a fait tel miracle. Mais l'homme qui était guéri suivait Pierre et Jean. Il chantait Dieu, il louait Dieu, parce que ces hommes-là, au travers d'eux, Dieu a fait quelque chose. Et c'est vrai, frère. Quand on a prié pour vous,
Soyez reconnaissant, Dieu, pour la personne qui a prié pour vous, ou pour les frères et sœurs qui ont prié pour vous. Votre reconnaissance doit être profonde. Seigneur, merci parce qu'on a prié pour moi. Merci parce que ma sœur a prié. Merci parce que mon frère a prié. Il y a de la reconnaissance dans le cœur d'un fils de Dieu. Savoir être reconnaissant pour le bienfait qu'on t'a fait. Même si c'est petit, quelque chose de petit que... Un frère ou une soeur vient avec un petit pain qui te donne. Amen. Déjà le fait qu'on vient avec un petit pain, remercie le Seigneur. Amen. Remercie la personne qui a fait un effort pour te l'apporter. Si il avait peut-être un grand pain qu'il aurait apporté, Amen. Mais le pain qu'il t'a apporté, c'est tout son cœur. Alors toi, en recevant cela aussi, sois reconnaissant. Amen. Souvent, qu'est-ce qui se passe avec nous? On t'apporte. Ce pain, peut-être qu'il est petit. Et c'est avec un regard de dédain et mépris que tu regardes. Sœur, il n'y avait que ça. Mais s'il y avait plus, mon frère, je te l'aurais amené. Mais même si c'est très peu, déjà le fait que la personne, c'est de tout son cœur, qui s'est dérangé pour prendre la chose et te l'amener, alors sois quand même reconnaissant. Remercie quand même la personne, effectivement, qui a fait son effort. La reconnaissance est quelque chose que Dieu aussi. Aujourd'hui, on va en parler. Quelque chose que Dieu attend d'un fils de Dieu, savoir être reconnaissant, même si c'est un petit peu, mon frère. T'allez pas que, parce que pour que Dieu vous donne aussi des grandes choses, il faut être fidèle aussi dans les petites choses. Si dans un moindre dimension, la personne te rend un service qui fasse quelque chose pour toi, même si c'est très petit, mais ta reconnaissance doit être aussi profonde. Par le geste que nous devons apprendre cela, mon frère et ma soeur. Chacun de nous savoir être reconnaissant et dire merci à la personne. Ça ne coûte pas grand-chose, mais c'est la reconnaissance. Ça rejoint au moins la personne qui a eu à pouvoir. Ça donnera aussi la force pour la personne, effectivement, la prochaine fois, de voir et moi aussi avoir le courage de pouvoir apporter cela. Parce que quand quelqu'un te rend un service, ça n'a pas devenir l'habitude pour toi. De toute façon, il va le faire. Non. S'il est fait aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Amen. Il est fait encore demain, que Dieu te bénisse. Amen. Il vient encore, que Dieu te bénisse. Amen. Ta reconnaissance toujours parce que la personne fait un geste. Même si c'est tout le temps préparé pour toi, tout le temps nettoyer ses pommes, mais toujours le fait qu'il est fait. La reconnaissance est là. Amen. Il ne faut pas que tu aies dit, oh mais je sais que c'est la soeur telle qui l'a fait, il est fait là, bon, merci ça, que Dieu te bénisse ton travail. Non monsieur. Non monsieur, non mon frère, non madame. Si la sœur le fait, même si elle cuisine tout le temps, même si elle nettoie tout le temps. Vous savez, regardez combien Dieu est tellement simple. Dieu touche le cœur et change la manière de faire des gens. Quand on voit les gens qui étaient mauvais et arriver à pouvoir réellement poser des actes doux à l'endroit des autres, c'est que Dieu est capable de changer le cœur d'un homme. Ça aussi, c'est une reconnaissance. Dans un monde, effectivement, plein d'égoïsme, où chacun veut vivre pour soi, mais tu vois quelqu'un qui veut se dépenser pour toi, quelqu'un qui veut faire quelque chose pour toi, effectivement, ou bien pour les lieux où vous trouvez, effectivement, il faut de la reconnaissance. Parce que cette personne-là, ou ce frère, ou cette soeur, n'est pas obligé de pouvoir le faire. Mais c'est parce que son cœur a été touché par Dieu. C'est à ce moment-là que la louange et la gloire revient à Dieu, qui touche le cœur et qui nous montre, effectivement, qu'il a un travail qu'il fait. Et ça, pour nous, nous devons être reconnaissants. Et quand nous parlions effectivement dans cet homme, effectivement, il était reconnaissant. Il suivait ces hommes qui ont prié pour lui, effectivement, il criait la gloire de Dieu. Et les hommes, maintenant, qui dans les temps ont pu voir maintenant et savoir que, ah, si cet homme marche comme cela, eh bien, c'est à cause de ces deux hommes ici, parce qu'on voit qu'il les suit. Alors maintenant, quand les hommes ont tourné leurs yeux vers Pierre et Jean, ben, ils ont été surpris parce que. Ces deux hommes, effectivement, tournent leur regard vers le peuple qui les suivait, parce qu'ils disent, mais mon Dieu, quelle puissance, ils donnent. Oh! Amen. Il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si nous étions de ceux-là qui ont fait ces. Il dit, non. Nous ne sommes pour rien. Amen. C'est merveilleux, frère, de voir Amen. Le travail de Dieu dans un homme ou dans une femme. Amen. Parce que tous ceux qui s'élèvent ne peuvent pas être de Dieu. Et toujours ceux qui s'abaissent. C'est une nature, c'est un caractère que Dieu place dans l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est la femme aussi. Amen. C'est-à-dire l'être. Vous comprenez donc? Amen. C'est ce que Dieu fait et place effectivement.
L'orgueil, la prétention ne peut jamais venir de Dieu. Amen. C'est toujours effectivement l'humilité. C'est une grâce effectivement aussi, frère, quand Dieu parle effectivement que la femme soit soumise à son mari. C'est un marque de respect. Parce que en fait, cette image-là se projette effectivement sur... parce que nous, nous sommes l'épouse. L'épouse de Christ ne peut jamais se révolter contre son épouse. Amen. Nous sommes appelés, nous, à être soumis, c'est-à-dire que vraiment obéissants, respectueux à l'endroit du Seigneur. Donc si déjà nous, en tant que peuple de Dieu et l'épouse de Christ, ces sentiments-là est en nous, et que maintenant, toi, une fille d'Abraham, tu vas te marier à un fils de Dieu, ces sentiments ne peuvent pas te quitter. Amen. Puisque Dieu a placé cela déjà, et dans le monsieur et dans la femme, parce que nous sommes l'épouse. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce que la soumission, Dieu, nous, le peuple de Dieu, devons être soumis à Christ. Amen. C'est écrit, non? Amen. Vous serez choqués, mais ce n'est pas seulement la femme, en tant que femme. Mais nous aussi. Amen. C'est écrit, frère. Amen. Éphésiens au chapitre 7. Regardez très bien, c'est écrit aussi clairement. Éphésiens au chapitre 7, je pense que c'est cela, oui. Amen. Éphésiens chapitre 5, il dit. Verset 22, il dit, femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est comme ça, non? Amen. C'est écrit, non? Amen. Je vais dire encore. Femme, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est vrai, non? Amen. Car le mari est le chef de la femme. Alléluia. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Amen. Ben, nous, nous sommes le corps de Christ. Voyez, non? Amen. Nous, nous sommes le corps de... C'est la Bible, frère. Amen. Nous, nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête du corps. Amen. Quand on dit chef en latin, c'est capot. Vous comprenez? Donc, ça veut dire la tête. Donc, il dit, on le fait comment que comme Christ est le chef de l'Église. Donc, il est la tête de l'Église. Donc, c'est la tête qui commande le corps. Amen. Et puis, il dit effectivement, verset 24, « Or, de même que l'Église est comment ?» Est soumise, c'est-à-dire que moi compris. Parce que toi et moi, nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Toi, frère et toi, soeur, tous ensemble. C'est vrai, non? Amen. Amen. Et je vous ce que vous suivez, frère. Amen. Toi, frère et toi, sœur, autant que vous avez reçu le Seigneur. Amen. Nous faisons partie. Le problème, c'est que si vous ne le croyez pas, vous ne le serez jamais. Amen. Pour l'être, il faut le croire. Amen. Donc, toi, frère et toi, sœur, puisque nous l'avons reçu, nous avons reçu son esprit, effectivement, nous avons étourdi dans son corps, donc nous faisons partie du corps de Christ. Amen. Donc, étant donc dans ce corps de Christ, frères et sœurs compris, l'Écriture nous dit que nous, tous, hommes et femmes, nous devons être soumis à Christ. Amen. Donc la soumission n'est pas seulement de la femme, mais c'est aussi de l'homme. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc l'homme aussi doit être soumis à son chef. Amen. De même que la femme est soumise à son mari, l'image que le Seigneur donne, elle est profonde. Amen. Donc de même aussi que l'Église. Donc effectivement, quand toi mon frère, tu obliges à ta femme d'être, tu dois, pense aussi à toi. Amen. Parce que toi aussi, tu dois être soumis à ton chef. Amen. Donc quand tu exiges la soumission, regarde-toi aussi. Je l'oblige à elle et moi. Qu'est-ce que je suis à l'égard de ce que tu es soumis? Il faut que tu sois aussi équilibré. Amen. Amen. Tu exiges trop d'elle, Dieu aussi exige trop de toi. Donc il faut savoir ce que tu demandes. Amen. Ah oui, parce que c'est la Bible, frère. Nous aussi, nous sommes sans être soumis à Christ. Regardez, frère et soeur, combien Dieu est bon. Comment est-ce que Dieu, notre Seigneur, nous traite dans cette soumission-là? Est-ce que vous voyez? Regardez le rapport que nous, en tant que peuple de Dieu, avec la tête que nous avons, notre Seigneur, quand on parle de cette soumission.
qui parmi vous ici ne mentez pas, parce que sachez que si vous mentez, c'est un péché. Hein? Qui, je demande pour les blagues, qui parmi vous ici ne voudrait pas être totalement soumis à Christ? Je crois que tout enfant véritable voudrait de tout son cœur. Et pour lui, en fait, être soumis à lui, c'est un plaisir. Amen. C'est une grâce, d'ailleurs, de se soumettre à ce Jésus. Amen. Mais le Seigneur ne te traitera jamais comme un esclave. Amen. Jamais. Amen. Donc tu te soumets à quelqu'un qui t'aime de tout son cœur. À quelqu'un qui est prêt à donner, qui a même donné sa vie pour toi. Donc, à un tel homme, tu te soumets avec plaisir. Amen. Parce que tu dis, mais Seigneur, qui suis-je sans toi? Amen. Est-ce que vous comprenez, mon frère? Amen. C'est comme ça aussi que l'homme doit être aussi avec sa femme. Amen. Pas seulement tu dois, mais tu dois être prêt aussi à pouvoir aussi faire ce qu'il faut pour elle. Amen. Qu'elle réalise effectivement que j'ai un homme qui, sous qui je peux m'appuyer. Amen. Mais toi toujours, marteau ici, marteau là-bas, marteau ici, marteau là-bas. Tu dois, je suis chef. Tu as plein de choses, tu dois donner des ordres, crier, tout ça. Mais mon chef à moi, il s'est humilié. Amen. Le lien là auquel il me soumet, il m'a montré qu'il n'est pas resté sur son trône. Mais il est venu pris par même. Il me ramasse les bafons. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas me soumettre à lui? Alléluia. Oh mon frère. La Bible dit qu'il est le plus bon parmi les filles. Alléluia. Voici l'homme, monsieur. Le merveilleux, ma soeur. Les autres, ils ont des problèmes. Mais lui, jamais. Un modèle, frère, Amen. Auquel nous devons au Seigneur, c'est vous d'être comme toi. Amen. Nous avons, c'est merveilleux, frère et soeur, de connaître cet homme de Galilée dans sa puissance. Amen. Et dans, parce que quand on le connaît, quand on l'aime, on ne peut pas donner sa place à quelqu'un d'autre. Amen. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut prendre la place de cet homme-là. Amen. Ce qu'il a fait pour toi, Amen. Et ce qu'il continue à faire pour toi aujourd'hui, Amen. Vous savez, frères et sœurs, ma bien-aimée sœur, mon frère, à vous, ce que l'homme que nous sommes aujourd'hui, un jour, il va s'élasser de toi. Amen. Que ce soit ton mari, il s'élassera de toi. Amen. Que ce soit ta femme, il s'élassera de toi. Que ce soit tes enfants, un jour, ils vont se lasser de toi. Mais tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un qui ne pourra jamais se lasser de toi. Ce n'est pas pour dire, frère, mais il l'a prouvé, ça. Il te l'a prouvé. Parce que ce qui fait de nous être amoureux de lui, c'est son amour qui nous a montré à nous. Les prophètes et les prophètes, tout ça. Il n'y a pas un qui a manifesté à notre endroit comme ça. C'était tous des hommes, effectivement, ayant besoin aussi de cet amour-là. Pour apprendre, effectivement, pour cela. C'est pour ça qu'il doit toujours être placé dans les sommets les plus hauts. Alléluia! C'est pour ça, il a dit, mais la question était, mais de tous les 10 commandements. Il va point, il ne va pas point, il ne va pas se dire, mais tous les 10 commandements, quel est le plus grand et le premier de tous les autres, effectivement, que je voulais savoir que Dieu aime. Oh, alléluia! Tu veux savoir le premier, le plus grand? Oh, écoute, oh Israël! Le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Parce que c'est un Dieu jaloux, n'est-ce pas? Et puis il dit, tu l'aimeras de tout ton cœur, de tout ton âme, et puis de toute ta pensée, de tout ton être. Donc Dieu doit être au-dessus de toute chose. Et quand tu l'as placé comme cela, c'est qui veut dire que tu es soumis à lui. Ta vie n'a pas de valeur sans lui. C'est lui qui donne, et c'est vrai, frère. Moi, qui pouvait me connaître parmi vous? Personne. Je serais mort dans le comme j'étais. Mais quand tu es dans ta vie à toi, maintenant je connais mon frère. Je connais ma bien-aimée soeur. Je connais mon frère. Je connais chacun de vous. Pourquoi? Parce que Jésus est venu en toi. Amen.
lui appartenir. C'est pourquoi quand il dit quelque chose, ce n'est pas une obligation, mais c'est une usurpation. Alléluia. Ceci est de notre absolu. Nous dormons avec. Pas vivre aujourd'hui. Nous sommes heureux, frère. Non seulement il nous a fait ses dons, mais il est parti te préparer à toi et moi. Il dit qu'un votre cœur ne te trouble point. Un poste qu'on peut avoir sous la terre, mais le fait qu'il t'a choisi, toi. Parce que, mon frère et ma soeur, sois sûr et certain. S'il y a un temps où toi tu peux être sûr et certain que tu as été choisi par Dieu, c'est bien cet temps. Amen. Tu ne peux plus être quelqu'un qui marche avec un personnage. Tu dois être sûr et certain. Et aujourd'hui, je peux me lever et dire, si ce jour-là, Paul pouvait dire que telle sœur est une élue, aujourd'hui, moi aussi. Par l'évangile que je reçois, par la parole que je reçois, par le travail que Dieu fait en moi, je ne suis plus ce que j'étais hier. Mais je ne suis pas encore arrivé, mais certainement, je suis changé. Amen. Vrai, ça. Les choses sont tout à fait différentes. Je ne peux plus douter de ces dieux-là, parce que ce travail dans ma propre vie devient palpable. Hier, j'étais comme cela, et aujourd'hui, je suis devenu comme ça. Je ne l'ai pas fait par moi-même, mais je réalise une chose. À chaque fois que j'écoute sa parole, ça fait mal quelque part. Ça enlève quelque chose. Et ça me fait grandir. Alléluia. Là, je comprends que mon Père est en train de me tailler. Par sa parole, il fait toutes choses. Il est en train de voir faire en sorte que l'homme intérieur puisse grandir de plus en plus. Et je sens que depuis un temps, alléluia, que ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce n'est plus pareil. Ce que je ne supportais pas hier, aujourd'hui je supporte. Et je peux me prier pour vous. Avec autant d'amour. Ça, ce ne sont pas les efforts d'un homme. Non. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus-Christ. Et pourquoi il dit, mais ce n'est pas que nous sommes quelqu'un de particulier. Non, il dit, mais ce n'est pas qu'il y a une foi en nous. Non, monsieur. Il dit, mais c'est sa foi. Sa foi en qui, dans le nom, dans ton nom, monsieur. Alléluia. Alléluia. Amen. Eh, mes sœurs, s'il faut mourir pour ce nom, mourir. Amen. S'il faut combattre pour ce nom, combattez. Parce que le diable fait en sorte que ce nom soit effacé. Mais pour nous, il ne peut pas être effacé. Alléluia. Nous vivons par ce nom-là. Alléluia. C'est pourquoi nous combattrons pour le nom de Jésus. Pas pour le nom d'un prophète. Non, monsieur. Non, monsieur. Non, monsieur. Je ne vois pas une raison pour pouvoir combattre pour le nom d'un prophète ou de quelqu'un d'autre. Je combattrai pour le nom de Jésus. Amen. Mais s'il s'agit de mon frère qui croit comme mon Seigneur, je défendrai mon frère. Amen. Bien Amen. Sûr. Mais mon frère, je ne vais pas, étouffer le nom de mon Seigneur par le nom de mon frère. Non. Ça ne peut pas passer. Donc ce que je veux, c'est que c'est lui qui a fait l'œuvre à moi. Amen. Il faut qu'on connaisse quand même. Amen. Amen. Je voudrais qu'il le fasse. Jamais l'IFSC n'a fait une œuvre en vous. Non. Il peut vous prêcher la parole. Dieu peut accomplir des miracles. Amen. Mais ce n'est pas l'IFSC. Non. La parole n'est pas de l'IFSC. Non. Le miracle n'est pas seulement de l'IFSC. Non. Le miracle est ce sont du Seigneur. Amen. Donc nous voulons connaître ce Dieu qui fait le miracle. Même s'il est utilisé un instrument, mais je vais connaître. Amen. Comment cet instrument est arrivé à ce point-là? Parce que moi aussi, je vais être comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi comment tu es arrivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Ils ont entendu la parole, effectivement, le cœur touché. Oh mon frère. Alléluia. Que ferons-nous pour être comme vous? Oui. Ils ont vu que là-dedans,
Il y a quelque chose. Parce que naturellement, toi, tu ne peux pas être comme cela. Non. Il dit, mais ces hommes, c'est vraiment bien. Mais ces hommes sont tous galiléens. Oui. Ils parlent leur langue maternelle. Oh. Mais comment est-ce possible que moi, je suis chinois. Il est espagnol dans sa langue. Chacun de nous, on entend ces hommes. Ils sont tous galiléens, mais chacun de nous, nous l'entendons leur langue maternelle. Il dit, ça, ce n'est pas les hommes. Non. Ça ne peut pas venir d'un homme. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, alléluia! Alléluia! Amen. Ils sont comme ivres. Il dit, non, monsieur. Oh. Alléluia! Amen. Ces hommes ne sont pas ivres. Non. Mais c'est ici l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Il est efficace, la parole de Dieu. Amen. Une tranchante, tranchante qui n'est pas détruite. Et c'est pas moi les gens Dieu. Oh, alléluia. Révèle, c'est la vérité, frère. Amen. Révèle le secret de cœur. Amen. Que ferons-nous pour encore? Parce que nous voudrons avoir ce que vous avez. Amen. Alors l'homme veut lui montrer d'où venait ce qu'il avait. La source où vous pouvez aussi, cet homme veut aussi s'abreuver à la même source parce qu'ils veulent aussi aller être abreuvés à la même source pour avoir aussi la même chose qu'eux. Amen. Voilà, montre-moi la source. Amen. C'est sûr et certain. Alléluia. Si toi qui connaissais les dons de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui te parle maintenant. Je veux connaître, monsieur. C'est vrai, non? Je veux connaître, monsieur. Madame, je te vois, madame. Hier, nous étions là avec toi, on s'est renoncé là dans les boîtes, mais aujourd'hui, tu as des jupes là, propres. Alléluia! Et puis on te voit dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Amen. Vous êtes les sels de la terre. Amen. Le monde doit prendre, mais comment est-ce possible? Les autres, ils soulèvent, mais vous, non! Alléluia! D'où te vient cette force-là? Pour résister à tout ça? Parce que le monde a une pression! Alléluia! Il y a quelque chose en toi! Je veux connaître d'où vient ce que tu as! Alléluia! Mais madame, ça ne vient pas de moi! Parce que moi j'étais comme toi! Mais un jour! A changé. Je ne pouvais pas. Parce que la femme samaritaine ne pouvait pas, monsieur. Sa vie était comme cela. Mais qui pouvait me changer? Personne. Il a fait cet effort. Personne. J'aime Jésus. Mais ce jour-là, quelqu'un était assis au puits. J'aime ce puits-là. Avec ses soucis, ses travail, mais qui me délivrera de ce corps de chair? Je ne sais pas m'en débarrasser. Qui va me délivrer? Là, au puits, il y avait une solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh oui, monsieur. C'est 100% vrai. Amen. Nous l'aimons. Mais c'est parce que les hommes ne connaissent pas. Quand vous le connaissez, vous savez qui il est. Votre cœur vous. Alléluia. Éternel notre Seigneur. Amen. Alléluia. Que ton nom est magnifique. Que ton nom est magnifique. Sur toute la terre. Alléluia. Quand je contemple les cieux, ouvrage de ta main. Mon frère, ne perdons pas notre temps de choses inutiles. Amen. Nous devons vraiment réaliser ce qui est important pour nous en tant que croyants. Vous vous souvenez de cette femme, non? Tracassée par sa situation. J'aime le Seigneur. Amen. Il n'a pas bousculé, il n'a pas critiqué, il n'a pas insulté pour dire que tu es. Non. Alléluia. Il savait qu'elle était une prostituée. Qu'elle vivait une vie comme ceci, comme cela. Mais c'est vrai. Si c'était nous aujourd'hui, oh, on va sortir de parchemin là. Oh. On va faire de beaucoup de choses. On va rentrer. On tue les gens ensemble. On fait l'œuvre des autres. J'aime le Seigneur, vous savez. Amen. Amen. Vous vous souvenez de la femme surprise? Amen. Amen. Hey.
Ça, c'est quelque chose qui est toute ma vie entière. Amen. Ça, ça montre l'amour de Dieu. Amen. Vous ne comprenez rien, vous savez. Vous vous rendez compte, mon frère, la loi était la parole de Dieu, condamner cette femme-là. Mettez-vous à la place, le tableau qui est là. Regardez cet homme de Galilée, je l'aime énormément. Amen. Il était haï par les hommes, incompris parce qu'on disait que lui, il est contre Moïse. Il éloigne les gens de Moïse. Vous venez? Et c'était Moïse qui avait dit que si il y a une femme qui a été surprise en flagrant adultère, cette femme devait être lapidée à mort. C'est vrai, non? Oui. L'apidation devait suivre. L'apidation, dès qu'on prend des pierres, les vivantes là, on commence à la lapider pour qu'on lance des pierres sur elle jusqu'à ce que la mort s'en suive. Ça s'est passé, ils l'ont fait, il n'y avait pas de problème, c'était au fond aux Saintes Écritures. N'est-ce pas? Et ces jours-là, cet homme-là était là, loin, vous souvenez, faisant ce qu'il devait faire, critiquait toujours, vous savez. Je suis toujours quelque chose pour qu'on se dise, il a dit ça, bien, ah, voyez-vous, c'est pas ce qu'il dit, il est toujours contre, effectivement, les prophètes. Vous savez, non? Voilà. Et puis, il était là au coin, c'était son travail. Eux, ils étaient là-bas si loin. Ils ont pris cette femme, surprise en flagrant d'inhabilité, effectivement. Et là, ils l'ont ramassé depuis là-bas. Au lieu de le lapider là-bas, ils ne l'ont pas fait. Ils ont commencé à chercher Jésus. Vraiment. Alléluia. Et là, je crois que c'est la plus grosse erreur qu'ils ont fait. Et vous pouvez lapider la femme là où vous étiez. Puisque vous aviez les citations du prophète. Elles étaient, c'est vrai quand même. Ils avaient les citations, voici, le prophète a dit, il a dit ça, Moïse a dit, parce que c'est là, et voilà quand on prend, et puis on arrive, pardon. Alors bon, ils ont pris la femme, ils ont cherché, regardez comment Dieu est vraiment magnifique. Amen. Quand ce démon d'orgueil saisit les gens, ils disent, comme nous connaissons les citations, on va prouver au peuple que c'est nous qui connaissons bien, et que cet homme-là, il est vraiment dans leur rêve. C'est comme ça qu'ils ont pris. Oui, pour dire que venez, venez avec nous, venez voir avec nous. Puis le chef était devant, avec peut-être la grosse pierre avec lui. Donc, comme les petits étaient petits, ils avaient une petite pierre, effectivement. Et lui, il avait la grosse pour démontrer qu'il va mettre ce que les prophètes ont dit en pratique pour vraiment achever la phrase. On avait, venez, venez, on va où? On va chercher ce Jésus là. Mais mes chefs, on peut le faire ici. Non! Il faut que vous voyez que j'ai raison. Oh! Et oui. C'est toujours comme ça. Non, pas de problème. Dieu savait. Amen. Le Seigneur était là, ne pensant pas en mal aux gens, faisant simplement ce qui devait être fait. Et voilà qu'on lui amène la femme. Et ils ont bien dit. David, le prof, il était là. Moïse nous a dit. Oh. Qu'est-ce que Moïse vous a dit? Moïse nous a dit que si on surprend une femme en flagrant délit d'adultère, il faut qu'il soit lapidé. J'aime le Seigneur. Amen. Regardez comment il a réagi. Il était toujours en train de pouvoir se lapider. Il a dit, Moïse a dit. Et puis il continue, lui-même, le chef. Moïse a dit qu'on doit le faire. Parce que nous avons les citations là. Mais toi! Alléluia! Mais toi! Qu'est-ce que tu dis? Mais si tu avais foi dans ce que Moïse avait dit, tu n'as pas besoin de venir me poser la question de ce que moi j'ai dit. Donc tu as pu alors agir. Alléluia! Qu'est-ce qui t'a stoppé? Oh yes. Amen, amen. Amen. Oh yes. Amen. Frère et sœur, quand tu es amené dans sa présence, amen. Si la mort était amen. La vie, amen. Tu es amené condamné dans sa présence, amen. La justification prend place. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, tous mes péchés sont pardonnés à cause de lui. Amen. La foi en son nom. Amen. Vous amenez une
une femme coupable à sa présence. Mais c'est celui qui justifie. Amen. Les religieux n'ont rien compris, frère. Amen. C'est pour ça, amen. Satan les saisit. Ils ne peuvent pas tenir pour le nom. Ils tiendront pour le nom des hommes. Amen. Parce que c'était l'esprit religieux. Ils combattraient pour les hommes. Ils vous tueraient pour les hommes. Et quand vous parlez de Jésus, ça n'a rien. Pour dire, je suis sauvé par Jésus, je suis pas Jésus. Mais en fait, mais bon. J'aime beaucoup mon bien-aimé sœur ça. Amen. Vous savez, tout ça m'est très bien. Ah, que Dieu bénisse ma sœur. Amen. Il la bénisse richement. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. C'est un témoignage vivant. Oui. Amen. 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 Elle peut chanter. Je comprends pourquoi elle danse. Amen. Comprenez que là, Dieu a fait quelque chose. Amen. Oui, c'est vrai, frère. Quand le père courut, il a dit, Seigneur, merci, parce que tu as vraiment racheté. Amen. Amen. Oui, c'est vrai. Oui. On doit être reconnaissant quand Dieu fait. Amen. Et puis, il pose la question, il me dit, mais toi, qui es dit Dieu? Et si on lui demande, lui, qu'est-ce que toi, tu dis? Ça, on veut savoir. Parce que Moïse a dit, nous tous, nous croyons que Moïse est le parfait prophète de Dieu, puisque Dieu l'a confirmé. Mais lui, on sait d'ailleurs, lui, il est né de père, de mère, de vie. Et toi, d'ailleurs, on a un petit souci. Mais c'est vrai. On a un petit souci. On te voit, tu agis, mais on ne sait pas. D'abord, très bien. Ta maman, comment est-elle? Bon, on veut quand même te montrer que nous savons, on peut même te dire l'origine de Moïse, son père, sa mère, comment s'est passé tout ça. On connaît tout ça, même quand... Bon, et toi, on a un problème. Bon, on te pose quand même la question, mais quel dis-tu toi par rapport à ce que notre puissant prophète a dit? Il ne se rendait pas compte. Alléluia. Non, j'ai envie. Alléluia. Il est tellement bon, mais doux, simple, calme. Moïse, là, qui a écrit d'Abraham, qui lui a dit qu'Abraham était comme ça? Parce que lui, il dit, mais toi, tu parles de Moïse. Ah, non, pas, dis, mais, Moïse me dit, mais avant qu'Abraham fût, amen, moi, je suis. Amen. Donc, c'est Moïse qui lui a parlé d'Abraham. Qui lui a fait savoir qui est Abraham? Si moi j'étais avant Abraham, donc c'est moi qui ai connu Abraham, et qui ai parlé à Moïse de qui était Abraham. Et toi tu me parles. Et qui a donné même la loi à Moïse? Alléluia. 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 Je suis l'alpha et l'oméga. Alléluia. Je suis l'alpha et l'oméga. Combien de l'homme peut être aveugle? Parce que Dieu, il se voit toujours dans la simplicité. Amen. Amen. Il peut être à la vie de vous. Vous ne le voyez pas. Parce qu'il a pris une forme d'un homme dans une simplicité simple. Regardez comment on regardait la vie. Et son papa, Joseph, enfin bon. Marie a eu des accidents quelque part. Bon, Joseph était un bon monsieur. Le Seigneur savait, il acceptait cela, il savait. Il dit, bon, dis-nous maintenant. Et oui. Contre tout attendre, regardez très bien. Et j'aime beaucoup mon Seigneur. Il a dit, il n'a pas dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Non, non, il n'a pas dit que moi, il n'a pas dit vrai. Non, non, non. Il a dit simplement ceci. Il dit, si quelqu'un, si quelqu'un, j'aime ça. Alléluia. Si quelqu'un parmi vous, pour qu'il y ait une excitation, tout ça, si quelqu'un parmi vous, avec la forme que vous avez rendue ici, si quelqu'un, prenez-vous là, n'a jamais péché. Alors là, on va même plus loin. N'est-ce pas vrai? Parce qu'on a mis la pécheresse, non? Nous sommes des saints. Alors maintenant, on dit, mais on va vous montrer que nous sommes purs. Elle est l'essuyée. Mais elle est venue pour cette femme-là. Alléluia. Bien sûr, monsieur. Amen. Bien sûr. Et si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la femme. Sur la femme. Oh, oui. Parce que ça, Moïse n'avait jamais. Alléluia. Moïse a dit briser là, maintenant. Moïse a dit briser là, maintenant. Ça, il dit, mais Moïse n'avait jamais dit ça, monsieur. Si, qu'est-ce que dit, voyez-vous, frère. Si, qu'est-ce que dit, voyez-vous, frère. Il pouvait
certain de tout, mais jamais de ça. Amen. Vous voulez les confondre, effectivement, pour qu'il n'y ait pas discuté. Il n'a pas discuté. Je le crois. Moïse l'a dit, je le crois. Maintenant, je vous pose la question. Vous qui êtes venu avec Moïse, dites-moi maintenant. Si quelqu'un parmi vous qui est là, qui t'est donné, n'a jamais péché, la femme est là. Les pierres sont là. Je n'ai pas dit de tuer par la femme est là. Parmi vous, les pierres sont là. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Alléluia. Alléluia. Nous avons un puissant libérateur. Qui a été versé. Son sang qui a été versé. Pour toi, mon frère, il t'a blanchi. Il va prier. Satan péché, c'est ton péché. Il va prier. Quand Dieu regarde, il va prier. Satan va dire, Qu'est-ce qui se passe? Les petits viennent de faire le péché du grand. Ils touchent
son péché à lui. Bravo Seigneur. J'espère qu'il est tout le monde de la terre à qui il est parti. Alléluia. Il est bien et qu'il est bien et qu'il est. Tous sont partis. La montagne de pierre était là, restée sur place. Et la femme, effectivement, elle retourne, effectivement, elle entend pop, pop. Vous savez, le pop, pop, pop. Et mon Dieu, c'est qu'est-ce qui se passe? Le pop, vous savez, quand on met la pilette comme ça, elle entend boum d'abord, direct, c'est pas tombé sur mon dos. Non, c'est pas sur ma tête, c'est vrai comme ça. Et puis, déjà un pied, lui, je ne sens rien sur mon corps. Troisième pied, lui, alléluia. Maintenant, il entend la femme entend la question. Quelque chose que vous n'avez jamais entendu dans sa vie, il entend la question. Ah, j'aime Jésus. Il pose maintenant la question à la femme. Ah, j'aime cet homme. Il dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme relève la tête pour tourner, pour voir les vieux, les grands, tout ça. Il ne voit personne. Qu'est-ce qu'il voit? Une montagne de pierres. Il n'y a personne autour. Et puis il le voit lui-même debout. Il dit non, 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 non. Moi non plus. Je n'ai qu'à Christ. Alléluia. C'est la grâce. Amen. Lève-nous. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir réellement te servir, mon Seigneur. De voir réellement en toi, mon Dieu, avec ta sainte. Notre vie est attachée à toi. Nous sommes appelés à pouvoir te servir, mon Dieu. Oh, Dieu, nous sommes là souvent pour ta gloire, mon Sauveur. Et nous sommes là pour ta gloire, mon Seigneur. Et apporte pour ta grâce, mon Seigneur, mon Dieu tout-puissant, pour te servir encore pendant les temps que nous avons. Notre Père, il a vu sur la terre.
Thank you.
Seigneur, pour aller plus loin. Merci.